à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 4h17 du matin et on part direction l'aéroport d'Orly. On part pour la première fois, en tout cas pour les filles et moi, je sais pas Loïs, mais on part pour la première fois au Portugal. On est invité par les hôtels Villa Galé et on va découvrir tout ça, on va tout vous partager, j'ai trop hâte. On a pris le drone, on espère qu'on va pouvoir en faire cette super. Non, ça ne va pas. Toi, qu'est-ce que tu fais? Vous regardez ma commande. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Ça y est, on a récupéré la voiture de Locke. C'est une manuelle. Loïs, il n'a plus l'habitude. Il partait avec le frein à main. On s'est dit c'est peut-être qu'on va prendre une boîte auto. Bah, je sais pas, là où il y a écrit sorti, mon amour. Là, on a une petite demi-heure de route avant d'arriver à l'hôtel. On a trop hâte. Les filles, elles n'arrêtent pas de me réclamer la piscine. Et il est 9h20 du mat. Et la piscine est fermée aujourd'hui. Non, la piscine n'est pas fermée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes ? Pour entretien. Ouf, n'importe quoi. L'écoutez pas, l'écoutez pas. Oui, tu fais n'importe quoi, chérie. Alors, on va voir si on a une caméra de recul. Oui. Elle a l'air sympathique, cette voiture. Je pourrais pas conduire. Oh, zut. C'est dommage. Quel dommage. Voilà, une boîte manuelle. Ah, ça faisait longtemps, ça va te faire du bien. Par contre, on vient d'aller dans le mauvais hôtel. On a deux hôtels à faire cette semaine et il y a eu un micmac et en gros on s'est planté. Et on va pas à cet hôtel-là, on y retournera dans la semaine. Là, on va beaucoup plus loin. On a 2h30 de route, hein, donc je vous dis à toutes. Arrivée. Bon là, Rachel, la pauvre, elle s'est réveillée, elle n'était pas en forme. Après, il fait très très chaud, il fait genre 37 degrés donc à l'ombre. Du coup, on passe de la température parisienne à ça. Elle a eu un petit peu de mal, mais là, ça va, on attend pour manger. En plus, il est tard, il est 13h. Donc on est levé depuis 4h. Non, il est à l'heure le téléphone, il est 13h, mais 14h. 14h ici, 14h à Paris. Ah oui, même 14h ici, 15h à Paris. Ah oui, je ne savais pas qu'il y a une heure en moins. Du coup, les filles, elles meurent de faim. On est au resto là, de l'hôtel. Je vais tout vous montrer correctement. Là, on s'installe tranquillou. Après, j'essaie de tout vous montrer.
Les filles ont pris le menu enfant avec des pâtes et du poulet. Alors j'ai goûté le poulet, il est hyper bon. C'est bon Rachel? Tu dis oui? C'est une coquine celle-là. Il a pris une assiette de fromage en entrée et moi j'ai pris un... Je crois que c'est des champignons dedans avec du vinaigre balsamique, ça a l'air super bon. Alors j'ai pris un steak de thon, c'est un risotto de poisson. Voilà, on est au poisson ce midi. Bon, c'est déjà un peu le bazar, mais je vais vous montrer la chambre. Alors ici, il y a la porte d'entrée qui est là. Ici, on a une grande chambre même pour Eliora. On a mis nos valises, là on s'est un peu étalé direct. Là, on a une jolie salle de bain, coucou, avec la douche. Voilà. Là, c'est les toilettes. J'ai pas vu la douche. Bah, va voir, mon cœur. Et là-bas, nous avons la chambre de papa-maman. Salut, papa! Qui a besoin de se reposer. Et le lit de Rachel à côté. Regarde, une télé et tout, c'est trop bien. Il cherche pas ton téléphone? Je peux essayer sur la prise, voir si c'est que la prise. T'as essayé d'allumer la prise? Ça marche. Rallume. Voilà, t'avais pas allumé la prise. Ouais. Bon, Rachel, fais voir ta jolie casquette. Oui, papa. On va où, nous? J'ai perdu mes bras. On va à la piscine. Piscine. Il faudra prendre... Je vous ai pas montré, mais là, on vient de faire des Lego Dots avec Eliora et Rachel. Elles adorent les filles. Bon, alors, Rachel, elle peut pas le faire toute seule. Hein. C'est à partir de 6 ans, donc elle le fait avec moi. Mais c'est rigolo, ça l'occupe quand même. Surtout que c'est des tout petits trucs. Donc, vu que j'en profite, elle met rien à la bouche. Elle. Mais du coup, ça lui fait développer sa motricité fine. Mais regardez comme c'est beau. Aïe, oui. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais là, je crois que c'est les écuries. En fait, ici... font des faucons et des chevaux. Enfin, c'est la folie. Demain, on va avoir des activités de dingue. J'ai trop hâte. Et là, j'avais pas vu, mais toute cette lavande, c'est magnifique. Faut absolument qu'on aille faire des photos là-bas. C'est trop beau. Amour, il y aura. Vous me faites un casse-tête. Vous me faites un casse-tête. Sony, t'as un appareil Sony. Oui, ça, c'est mon appareil Sony. C'est le ZV1. Tu c'est parti. Où, tu es où, madame Kaka? Et bah, figure-toi que j'ai eu la chance de me le faire offrir par Sony. Ils me l'ont offert pour que je le teste au Maroc, à Marrakech et dans le désert. C'est pour ça que t'as, t'as un petit chien dessus. Une petite toupette. C'est pour le micro. Quand il y a du vent, au moins ça fait pas. On m'entend parler. Kaka. Mais tu peux aussi caresser comme si c'était ton chien. Bah non, sinon ça va faire du bruit sur le micro. Pour Zoré? Bah oui. Papa. Et toi? Ça fait du bruit? Oui. On a vraiment des dégâts pourris par contre. Là, on sent le voyage à 4h du matin. Moi, j'ai fait un effort. En fait, le problème, c'est par rapport à la casquette, là, à l'envers. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Attends, là, attends. Non, 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 mais ça va pas. Ça va pas. Ouais. Regardez comme c'est beau. Ici, c'est la piscine extérieure. J'avais plus de batterie dans le vlog. Je suis allée à la piscine intérieure avec Ellie. C'est trop, trop beau. Rachel. C'est moi, là? Rachel. D'accord. Je remercie mon cœur. Du coup, elle vient de m'écraser l'orteil pour me soigner. Elle a pris ça. Elle m'a mis sur le pied. Elle m'a dit, voilà, maman, c'est fini. C'est fini, chérie? Tu m'as soigné le pied? Voilà. Voilà. C'est quoi c'est ce genre d'amour là? Eliora, elle fait des dessins extraordinaires. Je te montre les beaux dessins que tu fais. Elle arrête pas. Non, c'est dans l'autre sens mon amour. Non, elle retire les mouches. C'est pas des derniers, c'est des mouches. J'en fais voir. Papa. Il est trop beau ce dessin. Lui aussi, il est trop beau. Maman, moi qui ai pris une trop longue robe, et Rachel aussi. Attends, j'ai pas bien compris. Alors. Papa, t'as le t-shirt jaune. Ouais, mais. Il est superbe. Pantalon bleu et t'as les chaussures de ta couleur préférée, le vert. Canon. Bon, bah, du coup, on a le droit au programme télé local.
C'est pas forcément notre style musical, mais why not. Et ici, on est dans le côté bar. Et de l'autre côté, c'est le côté restaurant. C'est pas la même carte, il y a deux cartes différentes. Là, les loulous, ils se sont pris des glaces. Mais j'ai pas vu la carte. Allez, du bar. La police. La chaîne, elle est dure, la côte à monter. C'est difficile. Rachel, oui. Voilà. Après la piscine, on va au resto. Du coup, faut que je vous parle un petit peu. Les hôtels Villa Galet, c'est tout un groupe. Ils ont plusieurs... Aïe ! Oh, Rachel, t'en as pas marre de m'écraser les pieds. Pardon, c'est mignon, mais c'est mignon, mais ça retire pas la douleur. Et nous, on en teste deux ici au Portugal. Donc celui-ci, donc c'est l'Alter Real. On est dans les terres, c'est splendide. Ils ont une fauconnerie, ils ont des écuries complètement dingues. J'ai hâte de tout découvrir. Maman, pense que personne... Aujourd'hui, c'était repos. Ils vont pas savoir ce que c'est des fauconneries. Bah, c'est là où il y a plein de faucons. Loïs, faut qu'il laisse déplacer la voiture. On va le suivre, on va trouver une place. Oui, j'ai vu ça. C'est très 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 joli le cadre, j'aime beaucoup. C'est apaisant, ouais. C'est hyper calme, hyper apaisant. Allez, on y va, Rachel ou Doudou, on va manger. Ceux qui savent nager, ils peuvent aller dans les deux piscines. Ceux, les grands, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Il y a trop de trucs amusants, je vous laisse découvrir si vous venez. Ça te plaît à toi? Moi, je trouve que c'est un bon compromis. On est... J'ai le droit de vous dire qu'il y a deux piscines, une intérieure et une extérieure. Et même que l'intérieur, elle est autorisée aux enfants, ce qui n'est pas toujours le cas dans les hôtels comme ça. Et regardez, vous avez 1 milliard d'hirondelles. Elles vont... on va se rendre des cacas. Mais c'est sûr, elles s'assiedent dessus. Hein. Mais non, tout à l'heure, elles sont comme ça, au-dessus de la piscine, parce qu'elles vont boire de l'eau. Tout à l'heure, mais t'as vu l'état de la voiture. Et regarde, on voit, regarde l'angle, là. On voit, il y a tous les HLM pour hirondelles, là. Elles ont construit des nids les uns sur les autres. J'ai jamais vu ça. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. C'est superbe, hein. On avance parce que les deux derrière, ils ont peur. Rachel, elle me tient par la robe, elle y va. Elle s'en fiche. Ici, vous verrez mieux. Mais elles ont construit des nids les uns à côté des autres. C'est magnifique. Les hirondelles, moi, j'adore. Ce soir, c'est buffet et il y aura des gens en train de se servir, mais tu sais même pas ce que c'est. Si, c'est des... tu crois que c'est des beignets de calamar? Donc regardez comme c'est trop chouette. Il y a des petits trucs fermés aussi. Des petits légumes. Oh non, Lily! Ah bah, tu ramasses et tu le poses là. Voilà. Il y a des petits champignons. Tout ça, c'est des... je pense que c'est de la viande dedans, je ne sais pas. Là, il y a des pâtes, Rachel va en raffoler. Là, c'est les desserts, on va peut-être attendre. Tu vas goûter? Bah, vas-y. Là, il y a des plats chauds, je vais aller vous montrer après. Mais moi, ce que j'ai trop envie de goûter, c'est tout ça. Toute la partie salade, j'ai trop envie de manger du frais, je vous assure. Ici, il fait très chaud. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les choux? Des coquillettes avec des patates douces. Ça a l'air trop bien. Du chou-fleur, du riz au maïs. Mais génial, moi j'en connais une qui va se régaler. On a... je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ça a l'air pas mal. Ça sent hyper bon. Ici on a encore un riz. Avec de la viande et des saucisses. Là, on a de la viande. Ça, je pense que c'est du porc. Oui, mon cœur. Et là, des petites côtelettes d'agneau sûrement. Mmh. Je vais voir comment je transporte ce truc. Comment tu transportes ça? Non. Tu veux un ou deux? Un seul déjà? Voilà, comme ça. Ouais, ma chérie d'amour. Sur ta serviette, il y a une mouche. Moi, je me suis fait une salade. Déjà, pour commencer, j'en ai trop envie. Vous savez pas depuis combien de temps j'ai envie de cette salade. Bah, je mange du bacalao pour la première fois et je trouve ça très bon. Il est hyper bien. Trop bon, bacalao, je ne sais pas le dire. Hein. Mais regardez-moi cette piscine comme elle est belle. Tu mets pas tes baskets, hein? Il y a un caca d'oiseau dedans. Bah, c'est possible.
C'est tellement beau. On était là tout à l'heure avec les filles, on a nagé parce qu'il fait très très chaud là encore. Viens là chérie. Et ouvert tout le temps, on se met en bayou, on saute. C'est ça. C'est splendide, vraiment, hein, le cadre est splendide. À si minuit et demi, on te fait la tapouille. Quelle tapouille? À minuit et demi, dans la piscine en faisant wouh, réveillez-vous les oiseaux, faites partir ces mélanges. Et tout le monde pouvait pas dormir, ça par contre, une grosse tapette. Ils sont toujours là les oiseaux. Donc ce que j'allais vous dire avant qu'Edura vous raconte les histoires des oiseaux. Oui, bah, y a plein de caca d'oiseaux, hein, c'est tout ce que je dis. C'est normal. J'allais vous dire que j'avais bientôt, je ne l'ai pas encore, mais un code promo sur... J'allais vous dire que j'ai donc un code promo pour cet hôtel-là et pour le prochain. Donc du coup, restez bien à l'écoute et surtout, retrouvez-nous sur Insta. Parce que sur Insta, je vais tout vous partager, c'est plus facile d'enregistrer aussi. Et même un chat. Bon, moi, je suis pas une grande fan des chats, mais je sais qu'il y en a qui le sont beaucoup. Toi, t'aimes bien ? Peur. T'as peur des chats ? Bon, ouais, bon, il a pas l'air très sympa en plus. Du coup, c'est quoi cette tête ? C'est une tête de... Je me suis levée à 3h du mat et là, il est 9h moins le quart et je ne dors toujours pas. C'est ça. On va aller brosser tout ça. Et qu'est-ce que je vais dire? Et demain on se lève pour le petit déj à 8h, 8h30. Tu rigoles? C'est que quand des fois, mais là ça me va. T'as peut-être un aft. Donc je vous disais, demain matin 8h, 8h30 pour le petit déj. Et après on va à la fauconnerie. Est-ce que papa va nous ouvrir la porte? Doucement, il est en train d'endormir ta soeur sur moi. Chut, ça suce. T'es vraiment une coquille, je trouve. Allô, maman. Bon, ça y est, j'ai retrouvé Rachel, Loïs. Je t'ai mis au lit, Ellie. Allez, go, dodo. Tu peux te faire un café? Non, parce que je vais peut-être le laisser à maman. Je vais clôturer le vlog pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.